toi, Top TV, sur le net qui concerne notre école. Et je fais comprendre à la CCID que ce dossier est un dossier particulièrement fait dans l'intérêt public. Et il y a beaucoup de personnes qui sont concernées avec. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes aujourd'hui qui déroulent avec un learner, motocyclette, mobilette, qui demain, qui est 2021, qui n'est plus capable de faire. Donc, il y a un intérêt fondamental dans l'intérêt public, dans l'intérêt de la population et surtout dans le cadre de nos devoirs d'informer et de démontrer ce qu'il y a comme problème dans un système. C'est fait pour ce qui garantit par la Constitution la liberté d'expression qui nous est garantie. Et Top TV fait ce reportage-là pour montrer toutes les lacunes qu'il y a dans ce système et surtout les gros problèmes qui sont éventuellement. Il faut voir qu'il réussit quand même à éclairer la population, mais ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui déroulent avec un learner qui concerne avec ce dossier-là. Si je panne Gatling, donc je ne pas regretter. Et pour nous, au niveau de la police, nous faisons comprendre aussi qu'il y a une case en cours. Et l'affaire est portée en cours par le ministre Nando Bouda. Et de ce fait, il est appelé le 24 septembre prochain. Et de ces faits, nous ne sommes pas capables de faire aucune déclaration en attendant que l'affaire est prise en cours. Donc, voilà un petit peu la situation. C'est gardien, c'est une réserve du droit au silence. Bien sûr, nous ne sommes pas capables d'y en rien aujourd'hui parce qu'il y a un cas devant la Cour suprême. C'est juste une convoquée, c'est une accusation de. Supposément de breach de ICTR. Ok. Under warning, non.